faut que je me mire d'abord. Oui. Quand femme veut prendre photo, c'est comme cela maintenant. Tranquille. Ah ouais. Non, mais quand le bruit va cesser. Oh, c'est bon. Ah, tu as vu, j'ai mes fans aujourd'hui qui sont à côté de moi. Quand ils disent c'est bon, c'est bon. Tranquille. Le peuple de Lolo Beauté. Oui, parce que là, vous savez, quand je dois changer de coiffure, je vous montre ma tête nue. Et après, quand ça porte le préservatif, c'est-à-dire les mèches, je vous montre ça aussi. Tranquille. Ma copine, j'ai envie de prêcher. Vas-y. Soyez connectés parce que c'est moins de 18 ans. Parce qu'il y a des gos qui sont en train de bander, refusent de réveiller leur mari la nuit pour dire bébé, mets-moi plo. Il n'y a pas ma chanson. Attends, je vais mettre quelle chanson même. Hé, hey, faut pas me regarder. Voilà. Je suis inspirée ce matin, donc je vais prêcher. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend. Donc ne soyez pas étonnés. Quand tu as quelqu'un chez toi à la maison, tu fais malin et que l'autre récupère, ça te fait mal. On appelle ça quand quelqu'un laisse, l'autre prend. Voilà. En tout cas, s'il prend, il n'a qu'à savoir garder aussi. S'il prend là, il n'a qu'à savoir garder. Tu as la coiffure, hein? Oui, non, je vais me mêcher. Je suis sur Mariam VIP, au Château Rouge. La seule personne habilitée à toucher mes poils qui sont sur ma tête. Ok. J'ai envie de prêcher et je vais prêcher. Parce que l'heure est grave. Très, très grave. Si tu es en train de baiser ta femme, débande. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de donner du sein à ton bébé, enlève tes nichons dans la bouche du bébé. Si tu es en train de lâcher, mon ami, bouche ton anus. Parce que là, la go crayon a envie de prêcher. Donc, bouchez les anus. Les personnes qui aiment lâcher quand je fais mon direct. Je n'aime pas ça. Les mauvaises odeurs à côté. Dégagez. Parce que j'ai envie de prêcher. Ah non, les femmes. Ma copine, attends, j'aime arrêter d'abord. Parce que j'ai envie de faire une phase là. Une phase des femmes là. Vous savez, quand nous les femmes. Eh, ma soutane, attends, je vais me décravater. Je vais me décravater. Je vais vous montrer comment les femmes ont envie de baiser la nuit. Puis elles refusent de vous réveiller, vous les garçons là. Ma copine, pousse ça là-bas. Parce que moi-même, ça m'a une fois arrivé la nuit. Les femmes. Mes copines, l'heure est grave. Réveillez-vous. L'heure de la pierre taillée et de la pierre polie est révolue. L'heure où notre maman se jouait les saintes est révolue. Actuellement, où on parle, on a besoin des femmes qui ont assez de couilles et de poils dans leur anus pour démontrer qu'on est femme. Avant, on n'osait pas parler d'épines et de cons. Mais Lolo Beauté a révolu ce décret-là. À l'heure instant T, on parle de tout. Tranquillement, tranquille. La nuit, ma chérie, tu as envie d'attraper les couilles de ton mari. Parce que nous, les femmes, là, on aime trop malin. C'est-à-dire, on est bêtes. Pourquoi se fait tant de mal pour la machine à décoaguler qui est à côté, ma chérie. Tu as une machine de guerre à côté de toi. Tu as envie qu'il te mette au plot. Mais la nuit, tu es là. Et puis souvent, quand les femmes, là, nous, on a envie, là, c'est toujours vers 1h du matin, 2h du matin. Là. On est là maintenant, attends, ta chaise là. Voilà, quand nous, les femmes, on a envie, là, on cadre nos pieds, et puis on est là. On sait ça. On sait ça comme ça. Jean, s'en bat de toucher. Non, toi-même, tu te frottes, ma chérie. Arrête ta masturbation inachevée. Tu es là, tu frottes tes jambes en tant que la machine est à côté de toi. Arrêtez ça, ma chérie. Réveille le mec. Dis, bébé, j'ai envie que tu me plantes le plantain là où il faut et comment il le faut.
tranquillement, tranquille. Non, mais arrêtez, parce qu'on a eu ce débat là ce matin ici. Les femmes, on se joue aux pieuses. Il y a des gawazes là. Quand oui, toi, Lolo Beauté, quand tu allumes ta caméra, c'est de pine et de con. Mais j'adore baiser. Que celui qui n'a jamais baisé se déconnecte de ma page. Que celui qui n'a jamais attrapé les couilles d'un homme se déconnecte de ma page. Qu'un garçon qui n'a jamais foutu sa langue dans la chatte d'une femme déconnecte de ma page. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler nien con et puis je vais quitter ici. C'est tout. Tranquille. Je suis en train de vous montrer la manière. Je suis en train de vous éduquer. Parce que ça aussi, c'est une éducation. Si vous ne connaissez pas, je vais vous le dire. C'est une éducation. Parce que nous, les femmes, là, on aime trop faire semblant. Vous pensez qu'en l'an 2018, là, c'est toujours les garçons qui vont dire, bébé, j'ai envie de toi. À l'heure instant T, on ne réveille plus quelqu'un avec la brutalité. Messieurs, si vous avez envie de vos femmes, il faut la réveiller en tant ta bouche et en bas d'elle en train de lui faire un léchage. C'est tout. Tu mets ta langue et tu es en train de la lécher au maximum. Quand tu la lèches là, tu attrapes ses poils de ses cheveux. Parce qu'il y a des femmes qui sont macho, comme les Lolo Beauté, Chineke. Quand tu es en train de la lécher, mon ami, tu fouilles dans ses cheveux crâniens pour faire sortir tout le sperme. Parce que le sperme des femmes, là, je vous apprends que c'est dans nos têtes. Donc souvent, quand... Bon, pardonnez les femmes. Nos têtes aussi, souvent, ça sent. Hein. Les femmes qui mettent les perruques, vous nattez en bas. Ça fait un an avant de défaire pour laver dedans. Pardonnez. Parce que souvent, les garçons ont envie de sentir nos cheveux. Mais c'est à Jovan. C'est à Jovan. Même ici. Façon en bas est propre, là, ma chérie. Rends aussi en haut, là, aussi propre. Oui, ici, parce que quand le garçon a envie de mettre une femme bien, là, un tripé, il peut sucer même ton front bien, ta nuque. C'est vrai, c'est donc, vrai. Ou bien, mon frère. Oui, je valide. Il valide. C'est un homme qui est en train de parler derrière moi qui dit valide. Donc, souvent, nos cheveux, là, pardonnez, laver un peu. Ça n'a qu'à être propre. Toi, tu es sale et c'est toi qui dis à l'homme qu'on oui, il faut me toucher ici. Moi, il y a des femmes là, elles aiment qu'on les lèche ici là. Comment on appelle ici là même? Vraiment nous. On appelle ça le voum. Voilà. Là, le voum. Il faut que tout soit nickel. Il faut que tout soit nickel. Tu prends le citron, tu laves là-bas. En principe, quand un homme t'aime là, il doit laver ton corps. De la pointe des cheveux jusqu'à ton orteil. Mais faites aussi les manucures et les pédicures. Tranquillement, tranquille. Il doit avoir beaucoup de manucures et de pédicures, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ne donnez pas des infections aux hommes. Parce que souvent, on se retrouve avec les hommes qui ont plein de dagbe. Mon ami, pourquoi tu as dagbe? Donc, quand je suis rentré là, mon ami, c'était rempli d'infections. Parce que les garçons prennent du risque. Je vous ai dit, un garçon qui va se plier en bas d'une femme en train de la lécher, ma chérie, il t'aime. Parce que l'infection est remplie là-bas. Et lui, il a pris gros cœur, il a foutu sa langue là-bas. Tu lui dois du respect et de la considération. Bonjour. Tu lui dois du respect et de la considération. Parce que nous, les femmes, là, souvent, on fait trop malin. On va diminuer un peu votre grade. Tranquille. Les femmes qui aiment se coucher, oui, je vais attendre qu'il va, hein, il va me tapoter un peu. Et puis oui, il va dire, bébé, j'ai envie de toi. Non, réveille-toi, femme, toi qui dors parmi les morts. La vie est en train de passer. La vie écoute. Donc à l'instant T, ma chérie, fais-toi plaisir. Mets ton homme bien. Mets-toi toi aussi bien. Les personnes qui sont impuissantes, les femmes qui sont remplies d'infections, quand Lolo Beauté est en train de parler d'affaires de sexe, quand oui, toi, c'est toujours ça que tu es en train de parler. Regardez ma bouche. Si Dieu m'a créé avec une telle bouche, c'est parce qu'il sait que de cette bouche, je dois relever les morts sexuels. Je dois réveiller la population parce qu'on est en train de dormir. Tranquille, arrêtez-moi ça. Ou bien Gérard, tu as attrapé ton... Tu as quoi? Faut pas me dire que tu es en train de bander toi seul comme cela. Il est quelle heure? Il est midi. On bande pas, on débande. Quand j'ai fini, maintenant, vous bandez ailleurs. Non, il est 14h. Il est 14h. C'est l'heure de la sieste. Donc, à l'instant, les femmes qui n'aiment pas faire la sieste, là,
apprenez à faire sieste avec votre mari. Quand ton mari n'a pas du boulot, qu'il a à la maison, ma chérie. Souvent, il y a des femmes, elles sont toujours là. C'est la nuit seulement, je dois faire l'amour. Vous voulez faire des jumelles et vous attendez la nuit. Tu veux faire enfant, tu attends la nuit. Les enfants aiment tout ce qui est chaud. C'est-à-dire entre midi et 14h, c'est en ce moment-là, on doit se mettre plot. La transpiration de ça, tu connais, maman, et tu connais la transpiration de ça. Parce que ma copine, quand tu es en train de... Toi aussi, tes fesses là, on passe ici, ils vont voir. Regardez le balcon de ma copine. Je suis aigri. J'ai mis dans robe. Je suis aigri. Il faut que j'opère mes michons et mes arrête fesses. Ah oui, tranquille. Il faut que... Oui, j'ai envie de prêcher pour les femmes. Entre midi et 14h, ton mari est à la maison. Ma chérie, toi, tu fous qu'au dehors. Quand l'homme est à la maison, toi, la femme, tu plies tes poils et tu rentres le retrouver. On s'étonne que oui, les femmes sénégalaises, les femmes maliennes, les femmes quoi là encore, même burkinabé, quand elles prennent mari d'autres ethnies, et ils ne rentrent plus. Mais ma chérie, je vais t'apprendre que les maliennes, les sénégalaises, les burkinabés, les quoi encore là même, bon, c'est les trois là que je connais, quand elles prennent un homme, quand ils rentrent à la maison, on nettoie ses pieds. On trempe dans l'eau avec du sel. Parce qu'il y a des femmes, elles veulent se sentir anticipées. Elles disent, oui, ça c'est avant, on faisait ça. À l'heure instant T, là, on ne fait plus ça, ma chérie. Si toi, tu ne fais pas là, nous, on va le prendre et puis on va faire ça. On va le prendre et on va faire ça. Tu masses ses pieds. Tu masses ses mollets. Tu lui fais un bon repas. Il n'a qu'à manger. Ma chérie, on appelle ça basse naturelle. On appelle ça basse naturelle. Tranquille. Et quand tu finis, apprenez aussi à masser les testicules de vos maris. Parce que c'est pas toujours. Parce que vous savez, le stress d'un homme, ça se détermine dans ses testicules. C'est vrai. Oui. Non, les testicules ne souffrent pas. L'intelligence d'un homme se trouve dans ses couilles. Parce que l'homme arrête de réfléchir lorsqu'il bande. Donc son intelligence se retrouve dans ses couilles. Donc ma chérie, comme tu sais que son cerveau se retrouve dans tes couilles, tu veux qu'il t'achète le dernier cri de portable. Ma chérie, il faut bien entretenir ses couilles, il faut masser ça, il y a des huiles spéciales. On prend et puis on masse, ma chérie, si tu n'as pas l'argent, va acheter huile du Nord. Huile, c'est huile. Va acheter le beurre de karité blanc. Je vends même aussi. On vend ça ici au Château Rouge voilà. Là même. Beurre de karité là, quand tu prends pour masser les couilles de ton mari là, il est viril, ça enlève super le coco. Beurre de karité, ça vient du Burkina. Ça vient du Burkina. Super, original bio. Tu prends le beurre de karité si tu n'as pas les moyens. Tu masses à gauche. Bio. Attends, j'ai mes lever, mais parce que j'ai l'impression que mon cou ne rentre pas bien. Quand tu prends le beurre de karité, ça c'est pour les pauvres. Faut bien les montrer. Tu fais comme ça, ça n'a qu'à chauffer. Faut bien les montrer. D'accord. Attends, j'ai fait expérience. Donne-moi le beurre de karité. Voilà. C'est pourquoi je vends ça. C'est pour ça que je suis là. Donne-moi le beurre de karité. Voilà. Tu prends le beurre de karité. Voilà. Tu mets ça dans ta paume, tu siffles. Ça, on appelle ça rendre mon homme mouton et bête. Voilà. Dans le code. Que tout ce que ma main touche se transforme en or. Voilà la parole qu'il faut dire avant de masser le couille de ton mari. Et tu fais ça. Non, je suis en train de les montrer. Là, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Mon ami, viens toucher ma paume, tu vas voir comment c'est chaud. Ah ouais? Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Quand c'est bien chaud, vous voyez l'huile. Et tu prends tes testicules et tu fais ça, tu masses. Tu masses. Avec souplesse, ne déchirez pas ces testicules. On en a besoin. Tu masses, tu masses. Tu masses en allant du bas vers le haut. Voilà. Et puis, dans, parmi les testicules, il y a un trait. Oui. Le trait, là, tu fais tes deux doigts là comme ça. Ça n'a qu'à chauffer. Et tu passes parmi le trait magique. Tu passes comme cela. Tu masses. Tu masses. Quand ta pompe refroidit, tu frottes ton corps. Quatrième frottement, là maintenant, c'est sa queue. Voilà, voilà la queue d'un homme. Faut bien masser. Tu fais ça. C'est important. Tu fais ça. Ça détend les nerfs. Ça détend les nerfs. Asseyez-vous ici et vous montrez. Bande,
d'un culte. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Le pain de karité est un instrument naturel. Et quand tu fais ça, là, la pine de ton mari a une forme proportionnelle au trou magique de la femme. Apprenez à masser. Et puis, je n'ai pas dit, toi l'homme, quand la femme veut masser ton kiki, il faut la garder. Il faut dire, Lolo Beauté n'a pas dit de me gratter. Parce qu'il y a des femmes, c'est dans ça, elles vont faire règlement de compte. Non. Ta femme te gratte, tu viens me dire, diminuez s'il vous plaît. Ta femme te démange, ou mais elle te gratte, tu viens me dire. Tu frottes bien. Ma chérie, frotte. Frotte. Et puis, on appelle ça masturbation naturelle. Quand c'est bien chaud là, moi mais quand je frotte comme ça, j'imagine ce que je vais lui faire aujourd'hui. Et puis maintenant tu, non, non, ils n'ont pas vu, viens toucher, comment c'est chaud. Tu frottes, voilà, et puis touche, c'est comment? Waouh. Ça te donne quelle sensation? Oh putain, là je peux pas dire. Là je suis presque en transe là, ma soeur. Tu as vu, ne sois pas en transe, rentre à la maison. Pour transcender là-bas. Écoutez les conseils de Lolo Beauté. Donc, tu as fini le massage. Ce massage-là, je le prescris aux femmes deux fois dans la semaine. Parce qu'il ne faut pas rendre kiki de ton mari trop gros. Parce qu'on dit tout ce qui est gros est bête. Ça n'a qu'à être moyen. Maintenant, nous les femmes qui aimons les pines tordues. Quand tu dois masser là, tu fais ça. Et quand tu masses la queue, faut pas aller devant. Tu masses comme ça, tu tords. Et dernier, s'il vous plaît, tu tords. Ça n'a qu'à être commandant Cousteau. Ça n'a qu'à se tordre un peu. Parce que son corps t'appartient. Toi aussi, ton corps lui appartient. Maintenant, on a fini de masser les testicules des hommes. Vous ne savez pas que nous aussi, nos clitoris, là, on masse aussi. Nous aussi, on masse. Les garçons. Tu prends le beurre de karité, tu frottes aussi, tu prends tes deux doigts là, tu frottes comme cela, voilà comment il faut masser le clitoris d'une femme. Ah. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Quand c'est bien chaud là, clitoris des femmes même, ça ressemble à quoi même? Quand c'est bien chaud là, maintenant là, mon ami, tu fais ça et puis tu siffles dessus. Les deux produits là, tu fais ça, ça ressemble à escargot. Tu vois quand tu déjà escargot là, et puis tu fais ça, tu prends, tu masses où il y a le clitoris là. Ah, oui. Du bas vers le haut, 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 du bas vers le haut. Mon ami, souvent on n'a pas besoin du plantain, mais on jouit naturellement. On jouit naturellement. Tranquille. Attends, mes bêtes de karité là sur ma tête. On jouit naturellement. C'est très important. Peuple de Lolo Beauté, arrêtons d'être coagulés. Arrêtez. Les personnes qui viennent m'insulter là, ils sont coagulés. Donc quand je suis en train de parler comme ça, ils n'ont personne pour faire cette expérience là. Donc ça leur fait mal. On est sur les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il veut. Il y a un con qui peut sortir ici. On s'en fout. Tranquille. Maintenant, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Les femmes qui ont les caleçons déchirés. Les femmes, vous savez, même à jamais, on vend slip 200-200. On vend slip de... C'est-à-dire, j'ai des femmes, là, elles vont porter le slip pendant une année. Ma chérie, ton caleçon, là, c'est drapeau de quel pays? Dis-moi ça. Je vais te donner une définition. Souvent, là, même les dessous, là, sont très importants. Souvent, tu te mets en sexy comme ça avec des bas. Et puis, on appelle ça Django sera souffert. On appelle Django sera souffert. Tu te mets en petite... En string, avec un bon soutien. Souvent là, et puis ton mari a couché, tu t'arrêtes sur lui, sur le lit. Pardonnez, payez les bons liens. Parce qu'il y a des lits, quand tu fais tchou, ça fait couiqué, 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 couiqué. Même quand on prend sur le côté, ça fait couic, 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 couic. Ça fait fiou, fiou, fiou. Tous les voisins sont au courant qu'il y a quelque chose qui se mijote là-bas. Prenez les vrais liens, les vrais matelas, qu'on aime les bonnes choses. Parce que vous les garçons, si vous aimez les bonnes choses, mais vous ne prenez pas les vrais trucs, attention. Attention, prenez les vraies crènes, tranquille.
Donc tu te mets des bons dessous. Et là maintenant tu t'arrêtes maintenant puis tu dis Django sera souffert. Le Django c'est ton mara, c'est ton mari. Sera souffert. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Donc je vais couper parce qu'aujourd'hui je voulais faire l'expérience du massage. Je voulais faire l'expérience du massage. Donc j'en ai fini. Vous n'aimez pas, mais vous êtes à combien de personnes qui me regardent? Vous êtes à combien qui me regardent? Tranquille. Voilà. Ils aiment ça, mais ils font semblant. J'adore. Vous aimez ça, mais c'est vous faites mazos. Semblant. Ne me dites pas que vous êtes des mazos. Parce qu'il y a des personnes, on doit les fouetter pour leur faire de l'amour. Ah oui, des vrais mazos. Tranquille. Donc, c'était le petit coucou de Lolo Beauté. Du massage du clito et des testicules froissés. Ceux qui connaissent pas le beurre de karité, voilà, c'est 5€ seulement. 5€. La boîte, 5€. Un homme ne doit pas avoir les testicules froissés, mais il doit avoir des testicules gonflables. Voilà. Tranquille. Quand c'est froissé, c'est que toi, la femme, tu ne fous rien à la maison. Voilà. Ça doit être gonflable. Quand il marche la même. L'homme même doit marcher d'une manière extraordinaire. Les hommes qui aiment marcher comme femmes. Ça c'est quoi ça? Un garçon quand il marche, il doit montrer que c'est un garçon. Et quand il marche avec assurance. Il marche avec élégance. Il marche avec feeling. Il marche même avec jouissance. Ceux qui marchent avec jouissance, c'est pour ça qu'il marche. Il marche comme ça. Non. Donc c'est ça qui est la vérité. Je suis en train de vous prêcher. Oh femme, toi qui dors parmi les morts. Réveille-toi. Réveille-toi. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Réveillez-vous les hommes coagulés qui trouvent que Lolo Beauté est moche, mais je t'apprends que je suis plus belle que ta mère. Tranquille, c'est ça qui est la vérité. Aïe. Donc, c'était le conseil de Lolo Beauté. Apprenez à vous mettre bien. Apprenez à vous mettre bien. Alex dit Lolo, faut pas couper, mais j'ai fini de parler. Pourquoi faut pas y couper? Vous avez partagé combien de fois? La personne qui partage beaucoup, je le mets bien. On est dans un pays de stress. Donc, on doit se déstresser. Tranquille. Tu as partagé? Ah oui. Donc, finissez de partager. Les personnes qui sont en train de me... Ma mère, viens me baiser la gueule là. Baise-moi la gueule. En public. C'est ça, on appelle mougou-moi la gueule. On appelle ça tu me mougou la gueule. Oui, bonjour. Tranquille, c'est ça qui est la vérité. Je te dis, à l'heure là, ceux qui trouvent que je suis vulgaire, déconnectez-vous. Maintenant, les garçons qui aiment faire l'amour à leurs femmes sans, vous savez, ou bien de couper, parce qu'il y a trop de peuples qui me regardent, j'ai honte maintenant. J'ai honte. Ma mère est venue, donc j'ai honte, je ne peux plus parler. Hein? Anoti, Abizi, mon gars, mon partenaire sûr, il dit, il est trop. Je vais aller sur ta page pour voir si tu as partagé. Je vais aller sur ta page. Maintenant, les femmes qui sont en train de me menacer, que pourquoi Lolo Beauté, on t'a écrit sur WhatsApp pour commander nos produits, tu ne nous réponds pas vite là. Voilà votre réponse. J'ai 3 WhatsApp. Les gens m'écrivent beaucoup. Je dois commander, je dois conseiller beaucoup. Donc patientez. Quand vous m'écrivez, envoyez votre photo et puis patientez. Le numéro de Lolo Beauté, tu aimes Lolo Beauté, tu vas partager. C'est le 06 31 50 63 92. Parce que moi, partout où je passe, mon teint part. Tranquille. Maintenant, les garçons. Ma mère, je peux continuer ma prêche? Parce que c'est toi seul qui bloque ma bouche. Si tu me dis de continuer, je continue. Parce qu'il y a des garçons qui ne savent pas baiser leurs femmes. Quand ils sont en train, eux, ils pensent que c'est foutre la queue là où on pense là, qui veut dire qu'on baisse femme. Non. Tu baisses ta femme, tu prends ton, le pouce, la lunette. Comment on appelle ça là, même mon bon français, même. Parce que souvent là, les hommes là, ils aiment ça là. Ça là, c'est révolu. On prend ça là maintenant pour jouer avec l'esprit de la femme. On appelle ça droite missile. Ma mère dit, on appelle ça droite missile là. Un chien n'enfante pas un cabri. Mais on est
pourri dans cette famille. On est extrêmement dangereux pour la nation humaine. Donc, mes chers compatriotes, mes chers hommes, quand tu attrapes les poils d'une femme, ne te donne pas vite en dégustation. Il faut doigtiniser la fille. C'est-à-dire, il faut qu'elle sécrète les lubrifiants pour prouver que oui, elle est opérationnelle. Parce que je vous apprends, maman P, je vous apprends qu'il y a des femmes, on les appelle consec. Tu vas tout faire. Mais oui, dans le dictionnaire, con c'est con, pine c'est pine. Ou bien ma mère. Donc, il y a des personnes là, tu vas tout faire. Tu vas les doigter, tu vas les lécher. Tu vas tout faire, mais le con dit, oh ya, je suis sec. Je suis, oh ha, je suis sec. Donc, ma chérie, pourtant tu dois jouir au maximum. Tu dois jouir un peu pour que l'homme puisse s'introduire. Vous allez faire les garçons, vont déchirer nos nièrres. Pas fini, ceux qui ont kiki net, ils vont plus rentrer en nous. Kiki net, si ça glisse, va dire ma chérie, tu as un puits. Donc souvent, pardonnez, apprenons à sécréter. Souvent, apprenons à aimer la personne avec qui on couche. Parce que souvent, nous les femmes, à cause de l'argent, on couche avec n'importe qui. Si tu as dragué une femme, tu as la payé ta boisson. Si tu as payé sa boisson, tu as payé son poulet. Et quand tu rentres dans la chambre avec elle, mon ami, que tu trouves que son nien est sec, il faut verser ton crachat là-bas. On appelle sa femme qui doit mériter le crachat parce que tu as bu ma boisson, tu as mangé mon riz. Parce qu'il y a des femmes là. Oui, il y a des femmes, elles ont des foutaises. Quand le garçon l'invite là, elle vient avec renfort. Ma chérie, un garçon, je t'ai invité, tu es venu avec renfort, ma chérie. On va aller se reposer. Parce que souvent, on agresse trop les garçons que oui, à cause de ton poulet que j'ai mangé là, tu veux aller coucher avec moi. Mais ma chérie, tu avais faim. Quand il t'invitait, tu avais faim. Il a fini de te nourrir. Il faut que tu nourrisses aussi ses testicules. Parce qu'à leur instant, si tu ne veux pas que nourrir son ses testicules, quand lui, il paye la boisson, toi, tu payes la nourriture. Dès l'instant que l'homme, lui seul, il paye la boisson, il paye la nourriture, il paye tout. Donc toi-même, il t'a acheté. Donc il doit te mettre au plot. Il doit te mettre au plot. Il doit te mettre au plot. Quand on dit il doit te mettre au plot, il doit te baiser. Tranquille. Parce qu'on est fatigué des femmes qui n'ont rien. On est fatigué des femmes pauvres. On est fatigué des femmes suceuses de biens et de nourriture. Ma chérie, l'heure est grave. Longtemps on a attaqué les garçons. Quand oui, quand les garçons t'invitent, à même t'inviter voir la couleur de ton slip. Mais ma chérie, quand tu sais que tu as fait qu'un garçon t'invite, est-ce que tu as besoin de porter caleçon? Tu sais que terminaison de ça là, c'est hôtel. Donc ne porte même pas caleçon, il ne va pas voir la couleur de slip. Il veut voir la couleur de tes poils et c'est tout. Tranquille. Les garçons, on en a marre de nous. Ils en ont marre de nous. Donc souvent là, il faille bien qu'il y ait quelqu'un sur la toile pour vous donner des bons conseils. Nos petits ceux qui ne veulent rien faire là, mes hommes, vous aussi les hommes là, vous m'énervez. Hein. Vous les hommes là, vous m'énervez. Quand tu invites une femme que tu sais qu'elle a faim là, faut pas durer dans le dragage. Faut dire ma chérie, allons se reposer parce qu'elle a faim. Lolo t'a dit d'aller travailler, tu dis que oui, tu ne travailles pas. Donc tu as faim, allons, je vais te baiser. Je t'ai payé, tu as payé ma boisson, tu as payé ton poulet. Donc tu la baignes au maximum, tranquille. Souvent quand on dit les choses, ça vous fait mal. Quand oui, toi Lolo beauté, pourquoi c'est les conneries comme ça, tu viens parler. Ma chérie, tu as faim, il t'a nourri. Il faut le nourrir aussi. Il faut le nourrir aussi. On est fatigué des femmes là. Ma copine, j'en ai fini. Hein. Mes cheveux là, il faut qu'on tresse ça. Oui, on est fatigué aussi des go avares. Les femmes sont trop avares. Souvent là, baignez les pieds. Et puis vous allez retirer votre argent de boisson. De... C'est-à-dire, femme, hé, femme. Aujourd'hui là, vous êtes morte avec moi. Toi, un garçon, tu invites une femme. Elle te demande en plus de sa nourriture qu'elle va manger, elle te demande son transport là. Faut lui dire, ma chérie, tu n'as pas droit à transport. Tu as droit à un repos de jouissance. Parce que tu dois me faire jouir jusqu'au maximum. Tranquille. C'est ça qui est la vérité.
Quand on vous dit la vérité, vous venez trouver des astuces pour insulter Lolo Beauté. Moi, je suis déjà bien. Mon compte, il est rempli. Donc, je ne vais pas au travail. Je travaille avec ma bouche d'or. Ou bien ma copine Maria. Mais oui, tranquillement, tranquille. Hein. Voilà, on est dans le salon VIP. Toujours. On est avec la blanche. Bah oui, tu vois, toutes celles-là, elles travaillent. C'est le thé, hein. Tu as vu, hein? Ça, c'est grâce. C'est Lolo Beauté. Le 06 31 50 63 92. Venez-vous déployer. Maintenant, pour les cheveux. C'est Mariam VIP au Château Rouge. Qui cherche la Starmania? Mais Mariam est star. Ami de star est star. Ami de star est star. Continue à parler. Vous les garçons, là, quand on parle des femmes, là, vous êtes contents. Il y a des garçons aussi qui sont à 20. Hein. Il y a des garçons aussi qui n'ont pas pitié d'eux. Quand tu regardes une femme, j'ai fini d'agresser les femmes, je vais agresser les garçons. Quand tu regardes une femme, elle a porté lunettes Gucci. Elle s'est maquillée avec maquillage de marque. Mon ami, c'est bagage qui est lourd comme ça, toi tu peux soulever. On a dit Bella connaît bagage qui est lourd, mais il fait semblant. Mais mon ami, quand tu prends femme qui est armée jusqu'aux dents comme cela, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu vas mettre la main dans la poche aussi. Parce qu'il y a femme à va, il y a garçon aussi à va. Ah oui, je t'ai pris, donc je ne vais pas payer tes pommades. Mais j'adore ton teint. Tu penses que le teint qu'elle a eu là, c'est avec ses poils, elle allait payer? C'est avec l'argent. Si tu aimes son teint, tu payes sa pommade. Si tu aimes la voix propre, tu l'entretiens. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Mais ça ne veut pas dire aussi que nous, les femmes, on ne doit pas aller travailler. Parce que si on veut qu'un homme nous respecte, on doit travailler. On doit avoir notre gène pour instaurer le respect. Tranquillement, tranquille. Maintenant, les femmes qui sont en bas de manioc avec les teintes sales, on ne veut plus voir ça. Les teintes sales, on n'en veut plus. Entre les jambes qui sont noires, et le cuir qui est noir, le visage il est clair parce qu'on met les vrais fonds de teint. Mais quand un homme te déshabille, il dit « Oh ha, j'ai cherché femme, j'ai eu vampire, on n'en veut plus. » Contactez Lolo Beauté, je vais arranger le teint. Ma copine, il y a quoi? Tu as fait que les gens vont à tes fesses en direct. Oh Seigneur. Tu aimes ça, hein? Ça là, on appelle ça « arme de guerre ». Les fesses que tu as là, on appelle ça arme de guerre. Donc attention. Donc c'était Lolo Beauté. Je vous aime, je vous adore. Souvent là, on se met plomb, on se met dans la bonne ambiance. Parce que le stress, on n'a pas besoin de ça. Sur la page de Lolo Beauté, si tu es stressé, tu viens, je te déstresse. Si tu es coagulé avec mes vidéos, tu peux frapper Aoko. Tu n'as pas besoin de femmes. Tu frappes ton Aoko. Jouissance, c'est jouissance. Mais je t'apprends que pour femme est trop doux. Donc arrêtez de frapper Aoko. Les frapper d'Aoko. Tranquille. Arrêtez. Tranquille. Ok. Donc je vous laisse. Je vais me tresser maintenant. Oui, tu cherchais femme. Tu l'as déshabillée. C'est vampire. Tu vas avoir devant toi. Parce qu'on appelle ça femme trahie. Entre ses aisselles, c'est noir. En bas de ses seins, là, où laisse tomber la sueur qui est là-bas. Entre son cuir, parce que souvent les hommes de maintenant, je vous ai toujours dit, apprenez à prendre les femmes par derrière. Quand une femme te dit on va éteindre la lumière, il faut dire pas question. Jamais. La lumière, on allume la lumière pour voir clair dans le yoro. On doit voir clair dans le yoro. Le yoro, on doit voir clair de table. Même les dents. Ayez les dents blanches. Parce qu'il y a des garçons là, quand ils font ça, ah ma chérie, je suis amoureux de toi. L'odeur qui sort dans ça. Les coulisses entre les deux fesses. Aïe, on dit entre les deux fesses, entre les coulisses, toi, tout doit être propre, nickel. Les dents, tout doit être nickel. Ah, voilà, parce que moi, Lolo Beauté, tu es venu me breaker, puis tu dis, ah Lolo Beauté, je t'aime. J'ai dit, mais mon ami. C'est caniveau qui est venu me breco, bien c'est l'homme. Parce que ayez les bonnes haleines, tranquille, c'est très important. Oui, il y a des garçons, ils ont une mauvaise haleine, mais c'est bébé qu'on sort là, il faut me faire des bises. Mon ami, tu n'as pas pitié d'enfants des gens. Tu n'as pas pitié d'enfants des gens.
faut pas tuer avant les gens avant qu'elle ne construise pour sa mère. Daniel, ça a déjà la foule, il est là. Oh, bébé, est-ce que tu peux me faire la bise? Mais on fait du reste. Laisse tomber. Souvent, là, allez-y chez les dentistes pour aller faire des tartages. Allez contrôler vos dents, là. Parce que tout ça, là, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que quand une femme aime, elle a envie d'embrasser son mec partout. Mais si ça niaise, mon ami, attention. Les garçons qui aiment beaucoup manger, comme on a fromage, là, attention, hein. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. On est sur les réseaux sociaux. Lolo Beauté là, c'est elle qui a créé les réseaux sociaux. Donc je suis la pion. Tranquille. On vous parlait les bêtises et puis on va quitter là. Nous la injure ne nous fait pas peur. Mais quand on met notre bouche sur vous là, soyez prêts à écoper. Tranquille. Ah. Parce que ceux qui aiment insulter sur les réseaux sociaux, là, leur bouche niaise. Donc, ils sont tellement frustrés. Ils ne peuvent qu'écrire, commenter, mais ils ne peuvent pas parler comme nous, Lolo Beauté. Là. Ils sont là, ils sont écrits. Tu es vilaine, tu es laide, tu es comme cela. Mais moi, je dis que ta bouche, là, ça niaise. Tranquille. C'est ça qui est la vérité. Je suis grave. Je vous ai dit que j'ai plusieurs personnalités dans ma tête. Donc là, vous aimez ça. Voilà pourquoi vous êtes prêts, plus de 2000 à me suivre là. J'ai un temple et je suis en train de prêcher l'évangile. Tranquille. Qui parle dans mon direct là? Qui parle? Je vais mettre ses poils sur les réseaux sociaux. Tranquille. Donc je vous aime, je vais vous laisser. Pour les produits, on dit Lolo Beauté, syndicat de tchats. Les vendeuses de pommade, elles ont peur de moi. Elles disent, mais c'est quel gros qui insulte cliente et puis cliente court derrière elle là. Moi, j'insulte cliente. Quand ton corps est sale, elle dit, ma chérie, ton corps pue, ça sent, c'est sale. Tes mains, c'est cramé, ma chérie. On va décramer ça. Tranquille, pourquoi vous voulez qu'on vous caresse? Tu viens te traiter chez un médecin et puis tu veux qu'il te caresse. Moi, quand tu viens là, je te dis, ben, je te conseille. Il dit, faut prendre ça. Parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes. Ah oui, Lolo Beauté, je suis enceinte. Je ne peux pas faire ça, ma chérie. Femme qui est enceinte là, son nien est chaud. Donc ça donne envie à un homme de toujours te m'aplo. Donc il faut toujours être propre, tranquille. Quand tu es enceinte, ah oui, j'ai des masses de grossesse. Faut dire je suis paresseuse. Lolo Beauté était enceinte des jumelles, on a vu monter. Je me tchats parce que c'est le produit naturel. Voilà. Donc arrêtez d'être sale. Là. On ne veut plus voir les saletés. Aujourd'hui, sur Internet, tout le monde est clair. Parce que tu dragues une femme sur Internet, tu vas voir, elle a maquillé sa photo jusqu'à elle est noire et même elle va sortir blanche. Mais le garçon, il va te donner rendez-vous. Tu oublies que vous allez vous voir vis-à-vis. Il va dire, ma chérie, tu es sa jumelle ou bien tu es qui? Parce que tu as perdu ton identité. Ah oui, tu peux braquer une banque. Tu es clair dans photo. Mais quand on te voit en réalité, tu es noir. Donc tu as double personnalité. Tranquillement. Donc sur Internet, tout le monde est clair. Mais en vis-à-vis, là, c'est là on voit vrai teint de quelqu'un. Il y a des femmes, là, elles ne font jamais de vidéos, jamais de tirettes, parce qu'elles ont peur de l'être trahies. On a qu'à se dire la vérité. Les garçons souffrent. Ma chérie, si tu as envie de mettre pommade, choisis les bonnes pommades. Tu n'as pas envie de mettre pommade, garde ton argent. Parce que affaire de pommade, c'est championnat court. Quand tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Il ne faut pas venir foutre la merde dans le peuple. Tranquille. Donc, c'était Lolo Beauté. On va me dresser maintenant. Ma copine, tu vas me dresser maintenant, non? Donc, je vous aime. Numéro de Lolo Beauté, 06 31 50 63 92. Ma chérie, je suis vulgaire, mais il y a une seule chose que je connais. Je sais baiser et je sais faire mon chat. Donc, c'est deux choses qui vont de pair. Tranquille. Quand tu aimes les bonnes choses, mets-toi bien. Ou bien, Gérard. Tranquille. Tranquillement. Mon teint parle. Quand tu cherches emploi, ma chérie, lave ton teint. Parce qu'on peut te refuser l'emploi à cause de ton teint. Parce que ton teint pleure de chagrin. Donc, quel secrétaire que son teint pleure de chagrin, va mais l'été inachevé, s'il vous plaît, achevé. Moi-même, je vous demande pardon, j'ai fait réduction. Gamme de 200 euros, là, j'ai fait à 150 euros. Je fais réduction pour vous. Gamme de 200 euros, pendant un mois,
je fais à 150 euros. Parce que je suis bête, c'est mon argent, je fais de ça ce que je veux. Gamme de 200 euros. Je fais ça à 150 euros pour que les femmes, vous soyez belles, pour que les femmes, les garçons arrêtent de nous insulter parce qu'on en a marre, l'été inachevé. Contactez Lolo Beauté, je vais achever le travail tranquillement, tranquille parce que je suis sereine comme maison inachevée. Tôt ou tard, je serai terminée. C'est ça qui est la vérité. Toi qui veux mon produit, 06 31 50 63 92. Voilà. On est les femmes d'affaires, les business women. Donc mais là, là, si vous voulez aussi, vous pouvez passer aussi chez Mariam VIP. Vous pouvez passer chez Mariam VIP. Donne ton numéro au 07 53 59 05 34. Répète. 07 53 59 05 34. Tranquille. C'est ma coiffeuse. Voilà, si tu veux avoir les coiffures de stars, celle-ci. Ça parle déjà. Les mains que chaque, regardez mes mains, mes doigts. Les mains inachevées là. On va achever ça. On va achever ça. Les mains cramées. On va achever ça. Bon, j'en ai fini. Quoi ça? Bye bye. Mais toi, tu dois venir faire témoignage. Mais est-ce que je t'ai traité, oui ou non? Tes mains étaient comment? C'était cramé aujourd'hui, tu es sous les cocotiers. Parce qu'il y a des clientes, elles viennent prendre mes produits. Quand elles deviennent jolies, elles ne viennent pas témoigner sur la toile. J'en ai marre de vous maintenant. Je vais mettre votre cuir et vos poils au dehors ici. Oui, on n'attend pas demain ce qui est là. Pardon, je veux un mélange. Je suis en train de faire mon direct. Quand j'ai fini, je vais te consulter. Je vais... Et puis les clientes qui me demandent Lolo Beauté, quand on voit notre photo, là, on ne veut pas voir sur les réseaux sociaux. Là. Le jour où je mets ta photo sur les réseaux sociaux, porte plainte contre moi. Parce que c'est secret professionnel. Quand je viens sur les réseaux pour dire les bains, c'est différent quand je suis en train de travailler. Parce qu'une cliente qui te confie sa peau, qui te dit « Lolo, voilà ma photo, conseille-moi », tu n'as pas le droit de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, Alassane Ouma dit « Je parle trop ». Est-ce que c'est rien de ta mère je prends pour parler ou tes testicules froissés je prends pour applaudir? Donc, faut pas m'énerver. Si tel instant que c'est pas poil de ta mère que j'utilise comme bouche pour parler, tu la fermes. Je suis en train de parler au peuple de Lolo Beauté. Donc, tranquillement, tranquille. Quoi ça? Hey, tu n'as pas pris rendez-vous avec... Tu as vu ma maman, non? Tu dis, je parle beaucoup. Ma mère dit, tu n'as pas pris rendez-vous avec moi. Donc, laissez-moi parler. Quand je parle, c'est ma salive, je prends pour parler. C'est pas une... Tu vois un client là, tu dois arrêter. Ma chérie, moi la cliente n'est pas roi, hein. Je suis reine des clientes. C'est les clientes, les femmes qui cherchent clientes là, c'est elles qui courent derrière clientes. Moi, je chasse clients. Parce qu'il y a la référence. Tu seras satisfait, ma chérie. Même quand tu vas voir un marabout, tu n'es pas sûr que ton problème va être résolu. Parce qu'il y a des thés qui sont déjà maudits à la base. Le diable a déjà chié sur ton thé. Donc avant de te traiter, je prie sur mes produits. Que l'esprit de médiocrité et de chiement sur le thé quitte sur mes pommades. Et que les femmes soient propres, tranquilles. C'est ça qui est la vérité. Donc, je suis très calme. Je vous aime, je vous adore. C'était Lolo Beauté. Comme là, il y a beaucoup de bruit au Château Rouge. Il faut que je parle comme une femme de Château Rouge. Ah oui, il faut être mazo comme les femmes de Château Rouge. Il faut que je sois mazo comme les femmes de Château Rouge. Sinon que je pêche encore. Parce que là, je suis une binguise, je pêche encore. Tranquillement, tranquille. C'est ça qui est la vérité. Il y a des garçons, quand ils les insultent, ça les fait mal. Non, ciao, ciao, ciao. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser, on est en train de s'amuser. Vous savez que moi-même, je suis folle. Donc, si tu veux m'insulter là, mon ami, tu es en train d'insulter la folie. Sinon, c'est pas Lolo Beauté, tu es en train d'insulter. Mais quand moi, je te réponds là, ça fait le tour du monde. Tranquille. Ciao, ciao.